Attends, montre à Béa. C'est ça que t'as pris en photo? J'ai pris comme ça. Ah, il y a un truc qui a bougé. Ouais, qui a été... C'est la flamme qui... Ah, ah ouais. Nous prenons madame. La flamme qui a été aspirée contre en haut. Ah ouais. Non, une godache. Godasse. Bah oui. Non. Oui. J'ai qu'à chier là. Ah non, on doit couper des choses parce qu'on n'a pas été très poli avant. Mais bon, qui ne fait pas. Bah faut bien le tour d'une fois sentir ce que ça fait. De quoi? La Ouija. Mettre ta main dessus. Pour sentir. Enfin mettre juste mettre comme ça. Mais c'est quoi? La Ouija, c'est une table qui permet aux esprits de communiquer. Et il nous dit des phrases, des mots. Des noms. Des noms. Des endroits, des dates. Par contre, si le verre se met à bouger au même endroit pendant un certain temps, il faut tout de suite se retirer. Ouais, s'il tourne en rond. S'il tourne en rond, ouais. Il faut tout de suite le forcer à dire au revoir. Montre-moi, là, c'est simple. Et t'as pas c'est moi. Sans blague, j'ai senti je vais déjà vous regarder avant de faire. Parce que je sais pas du tout ce que c'est. Moi j'aime pas trop ce. Mais mon appareil photo il est où? Mais pourquoi il bouge? Il y a quelqu'un qui a mis une mille pour. Moi je pour en faire 5-200? Non, pour. Voilà. Allez. Bah il y a des pierres. Tiens. Bouge pas. Ok. Bouge pas le bateau, je tiens le lac. Lève le lac. Alors. Bon. Je m'y mets. Il en faut 4, hein, qui s'y met? Moi. Eh, hey, mais tu loulou? Ouais, bah oui, je suis. Puis qui d'autre? Puis toi. Puis moi. De toute façon, ça sert à rien de demander si ma mère elle est là, puisqu'elle est pas là. Hein. Non, elle est pas là, ça c'est sûr. Ouais, mais il faudra quand même l'enlever, hein, le sel. Après, il faudra l'enlever. Ouais, ouais, mais. Parce qu'on a vu que ça ne collait pas. Que ça collait. Non, c'est cool que ça collait trop. Non, non, j'ai rien, j'ai pas. Non, non, ça fait non, plus. C'est mon appel. Son appel en mode caméra. Mais au cas où il y a quelque chose d'intéressant, je prépare. Et parce qu'elle est sentimentale, mais elle n'avait pas remarqué. Elle me montrait où c'était. Puis si tu veux, il y a le panneau qui compte la porte. Puis derrière le panneau, il y a ce machin. Ouais, mais bon, Pascal, elle n'est pas sincère. Mais elle ne l'avait pas vu. Pascal, elle n'est pas sincère. Là, on a oublié pour l'instant. Ouais, bon, bah... Je vois plus rien. Je vois toujours plus rien. Désolé, je sais te voir un truc, là. Bobo, un 110 d'or. 110 000. Faut 4 fois. Un 100 canettes, ouais. Pas mal. Un cendrier. Il sait qu'un couteau. Mais non, on le met dans le trou. Merde, non, j'ai pas de couteau. Avec ça, ça marche pas. Pourquoi le soleil? C'est la nuit. Oui, jour. Ah, pour demander si on est le jour ou la nuit. Mm-hmm. Ou bien parce que les ténèbres ou le jour. Oh. Les ténèbres et le paradis. Ouais, si tu veux. Ouais, si ouh, je sens déjà de l'énergie. Ouais, c'est plus ça. Mais il faut quatre, hein. Ah, j'ai senti un truc. Où le quatrième doigt? Mon père ou Mélanie? Mélanie, tiens. Alors, la première question qu'on pose toujours, c'est esprit, es-tu là? Moi, j'ai pas de place. Merci. Elle a bougé de... Non, mais ça, c'est... Esprit, es-tu là? Ah, elle est partie pour où? Tour. Qui es-tu? Michel. Il est gros, c'est pour ça que ça inverse. Il est trop gros, peut-être. C'est sûr, oui. Ouais, mais il y a trop de sel sur la table. Non, c'est grand, mais peut-être le verre est un peu grand. Voilà, il m'a mis oui. En quelle année es-tu né? Le verre, il est grand. Hein? Ah, je cherche un petit.
1700. On retourne en 1700. 1793. Comment donner 1700? Comment est... Qu'est-ce que tu m'as dit? Ah, je sais plus. Es-tu décédé dans la maison? Où es-tu mort? Il est indécis. Ah ouais, il est pas bien celui-là. Neuchâtel. Un Neuchâtel, un esprit qui vient de Neuchâtel. Oui. Es-tu gentil ou méchant? C'était quoi la question? Gentil. T'es gentil. Ok. Pour qui es-tu venu? Pour qui tu es venu? Pour qui es-tu venu? Tu es sûr qu'il y en a eu 3990? Es-tu sûr que c'est 3000... vraiment toi? Attends, tu es sûr qu'il y en a eu 3990? Alors qu'il a dit 3690. Est-ce que c'est vraiment toi ou c'est quelqu'un d'autre? C'est vraiment toi? Non. Au revoir. On l'a piégé. C'était pas lui. C'était pas lui. Parce que c'était un chiffre. C'était pas qui? C'était avant, pas... il s'est présenté comme Michel, puis ça a changé. Puis tout d'un coup, il nous marque des parce chiffres que... impossibles. Il a dit 3690. Et puis moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 3990, il m'a dit encore oui. Ça, c'est trop élevé, on le connaît pas, celui-là. Donc là, c'était pas... C'est un esprit qui n'était pas... Tu fais quoi? Récupère mon appareil. C'est un esprit qui n'était pas d'accord, là. Qui n'était pas très correct. Ah, putain, j'ai mal au pied. Il fait des bruits. C'était pas un esprit correct, alors, celui-là. Donc c'était mais pas j'ai bon. Senti hein, une énergie. C'était ouais, pas bon. Je sais pas s'il va marcher. Une parce que... vibration de ouais, ici. Quoi. Il semblerait qu'il est venu. Il est trop fort, celui-là. Montre-moi ce verre. Ah oui, il est là. Non, il est griffé. Mais c'est pas grave. Oui, il y a une inscription dessus. L'important, c'est qu'on puisse voir. Non, mais c'est qu'il est trop grand puis il arrive de verser en fait. Il est trop haut. Ouais, il est trop haut. Et puis en plus, le bout, il est tellement étroit qu'on n'arrive pas bien à avoir les quatre doigts. Non, il y a une gravure, c'est tout. Ouais, mais il n'y avait rien quand je l'ai mis dans le sel.
On a eu un esprit malin, bon. Un esprit qui s'est foutu de notre gueule. Du coup, j'ai froid. Normal. Je crois que c'est quelque chose. Tu verras, t'auras froid, puis tout à coup, t'auras chaud. Mmh. C'est bien, on peut faire. Alors, Dominique, vas-y, mais. Qui veut essayer d'autres? Ben, tu vas essayer. Bah, ben, on va laisser France mettre le doigt. D'abord, un pétard. On va t'en obliger. Excuse-moi, Mélanie. Ne te fais pas du pied. Pas de soucis, juste mettre ça de là-bas comme ça, je casse pas. J'ai un souci de. Tiens. Ah ben, il y a du feu là. Ouais, j'ai entendu. Bon, on se découvre. J'ai entendu un homme parler par là. Okay. Ouais, il a dit on se découvre devant les femmes. Ah, il y a quelque chose qui vient. Quand j'ai dit j'ai entendu un homme parler par là, hop, les talkie-walkie. Puis il y a un grognement, j'ai entendu un grognement. Est-ce que t'es là? Il faut pas la Ouija. Attends, j'ai entendu quelqu'un parler là-bas. Regarde ce truc. Putain, ça. Je te radio, là. Oh. Voilà, c'est quoi? Il a arrêté. Pourquoi c'est mon mode Skype? Ah, j'arrive pas à t'avoir. Il n'y a rien qui marche. Si, c'est déconnecté. Je sens une chaleur derrière ma tête. Ouais. Je pense qu'il y a quelqu'un. Faut voir. Moi aussi. Il est en route ou il a arrêté ce machin? Bon, non, non. Déjà le bouton. Donne. Ah, il est en route. Tu m'as donné celui qui est foutu. Ah ben, il n'y a plus la bille. Ah, je sens quelque chose derrière. Parce qu'il y en a, il m'a prêté le talkie-walkie pendant que j'étais en... Un airsoft et puis il m'a foutu un air bouton, alors il n'y a plus la bille maintenant. Là. Donc tu peux plus l'utiliser pour parler. Tu peux qu'écouter. Mais Béatrice, j'ai vu. Voilà. Il va t'en tomber. Il sait qu'il est tombé. Qui? La bille? Il fait ouais, bah, il est tombé vers les toiles. Ah, bon, bah, c'est, pas... c'est quoi ça? C'est plic, plic, plic. C'est quoi ta caméra? Non, ma caméra elle est là-bas. C'est elle qui vient de faire. Non, mais c'était là-bas. Oui, non, ça venait de là. Ouais, c'est ça venait de là-bas. Ça venait de là. Non, derrière, ça venait de là. Ouais, pas moi. Ça venait de là-bas, je crois. Calme-toi, mais là, s'il te plaît, la caméra. Non, je crois pas. Tu risques rien, hein, on est là. Mais je crois que t'as raison, ça doit être là. Ouais, je. Ah, ouais, il y a plus de lumière. C'est bien d'activité, je pense qu'il faut bien commencer. Je crois que là, on va avoir des trucs. Montre. Ah, ouais, ça s'est arrêté, merde. Bon, alors, hop. C'est comment ça crée cette bougie? Montre. Esprit, ça. Ouais, ah, mais ça, c'était quand il y avait pas la canette dessus. Ça c'est quand on a découvert la canette qui s'était mise dessus. Ouais, ça est pratique pour la rallumer. Thomas. C'est Tom? Quand es-tu né? Là. 1875. Tu as les cheveux bruns? Gris? Blanc? Tu es derrière moi. Je... Ça m'a collé le doigt. Pourquoi tu l'as porté de la table?
Pour sortir. Pas bon. On a que des mauvais là ce soir. Il n'y en a aucun qui veut se dévoiler des bons. Il n'a pas voulu dire qu'il était derrière moi, mais je l'ai vu. Puis il voulait sortir de la table, purée. Hein. Il était juste derrière moi. Ah, il y a des mauvais ce soir là-dedans. Hein. Oh. On n'a que des faux noms, des fausses dates. On n'a que des mauvaises choses. On va refaire. La dernière fois, ça marchait mieux. Que fais-tu, papa? Il est au fond. Ça se voit là. Il y a un homme blond, assez fin, qui se trouve juste là. Ouais, et puis il a voulu nous sortir, enfin, je vais la confourrer. Tu veux le faire, ouais. Ben vas-y, Mélanie, tu es fleurir, je m'en fous, pour une fois voir si. Il a plus un esprit. Comment te nommes-tu? Henri Uff. Ok, pardon. Quand es-tu né? Et ça commence 1902. En quelle année es-tu mort? 79. Il avait 77 ans. Donc tu étais grisonnant. Brun. Tu étais rien, Franz. Tu es derrière Mélanie? Où es-tu? Ici. Précisément, tu es derrière qui? Florian. Ah oui, je te vois. Tu es assez mince. Vous êtes deux. Trois. Vous êtes combien? Non. Hein? Attends. 15. C'est pas possible. Est-ce que vous êtes un bon ou un mauvais? Bon. Vous êtes un bon. Avec qui voulez-vous parler? Vous avez quelque chose d'important à me dire? Que voulez-vous me dire? Tu? Tu? Tu?
de si bon. Y a-t-il des mauvais esprits parmi nous? Combien? 3. 34. C'est un peu beaucoup aussi. Hein. Je croyais qu'il n'y avait que 15 esprits dans la cave. Il y en a combien? Mais avant, on a parlé de 3990, c'est juste? Combien? Là, il est sincère. Trois fois, il dit 34. Ouais. Celui-là, il est bon. Je suis. Mauvais. Non, mort. Ah. Désolé. Donc tu es mort. T'arrives à tout le monde. Ici. Tu es mort ici? Comment? Comment es-tu mort? Il hésite. Mort dans quelle pièce? Quel endroit? Ici. Ici à la cave. Comment es-tu mort? Brûlé. Donc en 1979, il y a eu un incendie? Pourquoi tu nous dis brûlé? Tu sais, immolé. Yes. Sacrifice. Pour qui? L'élite. C'est pas logique. Non. Pas à 77 ans. Donc ils sont notre... il y a à nouveau quelqu'un qui... Ah non, l'élite, c'est pas pour les adultes. L'élite, c'est que pour les adultes? Non, les enfants. Alors pourquoi? Il y a quelqu'un qui se fout de nos noms. Attends. Qui? L. E. S. B. B. 2. Les deux. Je commence à fatiguer. Je suis sur le break, mais j'ai le temps. Ouais, c'est parce que je sais pas, il y a quelque chose qui me... Elle donne pas juste... Elle est où, l'élite? Elle est à la grange. Donc en haut? Bah oui. La grange, je te mets à la cave. Merde! Mon verre! On a libéré quelque chose. Miséricorde! Ça va, papa? Ça y est, recommence, tu vois? Il a dit qu'il allait être endolori. Merde, l'heure est sortie. J'ai eu une barre. Ah, ça y est, ça recommence? T'as eu une barre où? Et là, tout. Pour la dernière fois, ça a commencé à la cave avec ton papa. Et on a fini à la grange. C'est ce qui est arrivé ce soir. Oh là là. Mais j'ai eu mal. Ouais. Je comprends. Alors on est reparti. Il a traversé. En plus, il a trouvé une pile tellement tout ce que t'as fait. Oui, en fait, la pile, c'est de... De la lampe frontale. Voilà. Ah, ça va. Bon, ok, parce mais que... Il t'a traversé. Oui, parce qu'il a dit qu'il avait brandi l'oreille, puis ça a sorti, donc ça... Il s'est fiché de nous, le gars. Hein. Ouais. Il y en a, il s'est mis avec la table ce soir. Hein. Contre la fin, là, juste... En tout cas, il y a un truc qui est sorti. J'ai senti une vibration forte. Puis lui, il a dit qu'il avait mal, et puis ça... J'arrivais pas bien respirer, hein. Tu parles, Loulou, toi? Tu veux la... Loulou?
ça, c'est... Ah, mais c'est Dominique qui est en train de jouer avec le talkie-walkie, là. Ouais, parce qu'il essaie de communiquer, peut-être. On joue avec le talk. Lolo ? Lolo ? Il est parti, lui. Bon, il y a quelque chose qui est sorti. Oui, c'est bon, on l'enlève. Non stress, il y a pas un S. Il y a du sable, vas-y. Attends. Enlève la boule. Oh, mais merde. Lolo ? T'arrives à me le prendre ? T'es bon ou t'es mauvais ? Il y a du bon ou du mauvais ? Hé ! Tu nous réponds ? Mauvais. Ce soir, t'as fait plutôt mauvais. Hein. Ah, ça recommence. C'est bon, il y a ça. Il peut l'éteindre. Tu veux qu'on éteigne la bougie ? Non, il n'éteint pas. Communique avec la table. Mettez les pieds dessus, il est capable d'en renverser. Comme la dernière fois. Mmh. Qu'est-ce que tu veux nous dire ? Dis-nous ce que tu veux. Oui, c'est du sable. Tu veux marcher ? Qu'est-ce que tu veux nous écrire ? Donc il y a deux semaines, ça s'est passé aussi comme ça. Hein. Ok. Qu'est-ce que tu veux écrire ? Regarde ces yeux là. Ils sont fermés. Ah bon, ils sont comment ça? Il écrit toujours. Il écrit comme ça, il écrit les yeux fermés. Du sable? C'est un peu de me poser la question. Je crois que c'est le symbole de Lucifer, ce truc. Je me retiens pas à moi. Ça va pas bien avec le sable. On va partir de la table. Ouais, je sais pas, c'est le symbole de Lucifer, ça. Moi, je me retiens. Il peut-être aime le feu, hein. Non, mais ce sont Lucifer, il aime le feu, mais... Ça, c'est le symbole de Lucifer. Attendez. Il n'y a plus rien qui reste parce qu'on peut l'agiter. C'est mieux comme ça ? Enlève tout, on va mettre du sel. Non, c'est bon. Il est en train de nous faire le signe. Oh là, c'est la croix de David, ça ? Non. Ça, j'aime pas du tout. C'est quoi ces symboles ? Ça filme. Comme photo de symbole. Ça m'a filmé. Ah. Oh merde, ça vient tout trouble. C'est bon, je vais hacker. C'est quoi ? Chemin. Démon. Un démon. Non, c'est un plan qu'il a dessiné. T'es un démon. Il est un démon. Tu es qui? Oui. Lilith. Quel est ton nom? Lilith. C'est Lilith. Il a pas eu le temps. Attends. Y. Yes. Mon Dieu, misère. Sauf que Lilith, elle écrit pas en anglais, hein. Elle peut écrire dans n'importe quelle langue, Lilith. N'oublie pas que Lilith, c'est le premier démon sur Terre. Hein.
Non, c'est pas le premier. C'est le premier démon sur Terre. C'est le premier démon créé par Lucifer. Tu préfères le sel? Moi, je me sens mal partout dans ce cas. Tu gaspilles pas, il y en a plus. Enfin, là, je me sens bizarre. Ce serait mieux, c'est du papier puis un crayon, non? Je confirme, il doit y avoir un démon parce que j'ai l'appareil qui est flouté. Ouais, il y a quelque chose qui veut m'attirer. Où? À la grange. Tu poses mon appareil photo? Ça m'attire. Qu'est-ce qui t'attire? La grange. Bon ou mauvais? Mauvais. C'est quoi ce symbole? À la vache. C'est quoi ce symbole? T'es bon, il faut que je monte à la grange, mais je veux pas. Ça va? Bah, il est passé en moi, je crois. Ah, je croyais que tu l'avais pris en photo. Non, oh, j'ai filmé sans faire exprès. Ça va, Lulu? Ça passe en moi. Ça va, Lilith? Ça va, Lilith? Je crois qu'il a passé en moi parce qu'il veut que je monte à la grange. Ça passait chez moi, je crois. Ah, mais tu es mieux de rester là. Quoi. Ou alors on mène la table à la grange. Il y a quelque chose que je comprends pas là. C'est un plan qu'il a dessiné. Elle veut que je monte, elle veut que je monte, elle veut que je monte. Il y a quelqu'un qui va avec Mumu. Ouais, j'y vais. J'y vais. J'ai une bonne protection, pas toi. Laisse mon appareil photo. Hein? Faut que je pose mon appareil. Elle veut que je monte, je sais pas pourquoi elle va monter. Elle m'appelle. On y va. Tu veux venir avec nous? Vous allez tous? Non, moi j'y vais. Attends, excuse. Il y a eu quoi comme merde? Désolé pour le mot. Rien. Non mais là. Non, bah t'as fait un dessin. Juste des dessins, des symboles. Vous restez là ou? Moi je dois vite aller. Regarde ce que je pense que c'est. C'est un plan? Non. Si on le tourne un peu, c'est un plan. C'est pas un plan. Ça indique un chemin à suivre. C'est un. C'est la mer. Ancienne écriture. Chaise, avec quelqu'un dessus. C'est dans l'écriture de Lilith. C'est bon, ça devient de plus en plus froid. Regarde la bougie, comme elle bouge. C'est pas bon. T'as voir, rien du tout, mais c'est pas bon. Muriel de Florian t'en répond.
quelqu'un m'entend, s'il vous plaît. Oui, je t'entends. T'es forte au niveau des symboles ou des écritures? Je ne sais pas, pourquoi? L-I-H-A. À la fin, il y a un espèce de E, mais c'est pas sûr. On dirait plutôt un F à l'envers. Si vous voulez, vous pouvez descendre le miroir, oui. Ah, ça y est, Dominique. Un instant, il y a Dominique Canoë. Ah, derrière toi. Derrière toi. Derrière moi, il y a mon pull. L-I-H-A. F renversé. Et puis ça, c'est quoi? B. Il s'appelle quoi? Belial. Attends, Belial, mais c'est le nom d'un... Ah. Mais Belial, c'est le nom d'un homme d'un... Attends. Belial, c'est un nom... Regarde. Non, parce que Belial, c'est un nom d'un... D'un démon. De Satan. Ouais. C'est un des noms d'un de... des noms de Satan. Là, il y a quelque chose aussi. Il y a Belial. Plus... Il est mauvais, lui. J'en sais rien. On va y retourner deux, baf. Calmé. Vas-y, écris. On t'écoute. Enfin, on te lit. Ah, mais regarde là. B. Là, ça commence. Ah ouais. Ici. B. Attention, I. H. A. F renversé. Ah ouais. Ah, il y a H. Il y a deux H. Non, c'est un A. Non, ça c'est un H. Ça vient d'être écrit. Mais oui, c'est tout neuf ça. Moi j'ai l'impression que c'est écrit pas. Comme pas, tu sais comment c'est écrit. Et une carte. Et c'est écrit comme de la suie. Ouais. On dirait qu'on a utilisé de la suie pour le faire. Du soufre. Du soufre. Sans voir. Ça y est, ça recommence. C'est un chiffre ça. Non. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Allez voir deux secondes ta lampe de poche. L'idée, c'est une maison avec une flèche à l'extérieur. Non, mais on va pas ressortir, hein. C'était quoi ça? Ah, dans le placard. Attends, non, il vient de venir. Tu veux qu'on sorte? C'est qui? T'as un démon, toi. Il. Bon, j'exige que tu écrives ton prénom. Tu es qui? Il va où? Papa, tu fais quoi? Moi, je vais faire mon café. Ok. Ah, ok, d'accord. Est-ce qu'on peut le laisser seul ou faut... Non, il peut rester là. Tu es qui? Écris ton prénom. Ah, qu'il reparte, hein. Remets-moi la plate. On va rien tenir, cet homme. C'est bon. Ça suffit, ce soir. Moi, j'ai pas peur. Là, je commence à en avoir marre. T'es qui? Vas-y, énerve-toi. Moi aussi, ça m'est. Il a envie de montrer qu'il est le plus fort. Ah bah, pas ce soir, moi j'ai pas envie. Vas-y. Allez, accouche. C'est comment ton prénom? Tu ne fais pas peur. Moi je dirais presque que les vivants sont plus forts que les méchants. Ouais, exactement, ce soir on en a marre, là, les méchants. On a connu bien pire que toi ce soir. Exactement. Ouais. T'as un petit joueur par rapport à ce qu'on a vu. Nous, un symbole. Eh oui, vas-y. C'est nouveau le farceur ou bien? Non, c'est autre chose ça. Attends, j'ai fait une photo. De toute façon, ils ont vraiment envie de nous emmerder. Bouge pas. Attends, je vois ce que c'est comme symbole. C'est quoi? Il fait exprès pour nous l'enlever. Hein. Cad, il joue avec nous quoi. C'est bon, ça suffit ça. Il est comment le symbole de limite? Il ressemble un peu à ça, hein. Mais faudra que je regarde le journal. Il y a une nouvelle rond, comme la dernière fois. C'est le symbole de l'élite. Et regarde la fin du rond. Tu te rappelles la fin du rond? Ouais. Comme la dernière fois, la fin du rond. Mince. Mais vas-y, rigole, on n'a pas peur ce soir. Dis-moi, t'es qui toi? Mais vas-y, grogne. Ouais, t'aimes pas ça. Il aime pas ça. Putain, il en a pas.
T'aimes pas ça, hein? Non, il n'aime pas ce que je fais. Oui, mais aussi la lumière qui est en pleine face. Vas-y. Là, doucement, faites-vous pas mal. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis trop fort pour toi? Ah oui, c'est bien. Ouais, c'est ça, ils ont vraiment bien. Bravo, petit, va. On n'a pas peur ce soir. C'est bon, on a donné. De toute façon, c'est nous qui gagnerons, c'est pas vous. Il va tomber. Hein? Je prédis qu'il va tomber. Elle peut pas. Ouais. Elle peut pas. C'est con, hein? Elle peut pas tomber. Brave petit va. Mais grogne, vas-y. J'ai un message. Ah bah pour, bah, qui? Alors, on écoute. Pour qui? Élite a possédé. Ouais, et puis. Ouais, bah, elle est loin. On est déjà au courant. On le sait, elle est loin. Elle est toujours là. Mais non. Si. Sans rien. Non, elle sent rien. Ça nous étonnerait, ça. Et toi, t'es qui? Toujours le même qu'avant. Ah, le disciple. Le petit blagueur aussi? C'est un petit amateur. Ah, oui, c'est bien ce qui me semblait. Mais toi, t'es un faible quand même, hein? Non. Ah ouais? Pourquoi? T'es un disciple de Lilith, mais t'es un faible? Non. Ah non, quand même pas. Ah. On a la force, hein? Quelqu'un qui comment tu t'appelles? C'est quoi que tu nous as dessiné? Le symbole. Lilith. Eh ben, il n'y en a plus. Effacé. Moi, je ne voulais pas ce symbole. Et là, tu fais quoi? Un serpent, non? Ah, le serpent qui se mord la queue, c'est le symbole de Lilith. Non, ouais. C'est pas ça, le serpent qui se mord la queue. Oh, je sais pas, moi. Si, ça, c'est quoi? Ça, c'est un serpent, mais c'est aussi un des symboles. Hop, au revoir, le symbole. Le symbole, le serpent qui se mord la queue, ça fait un rond. Fais le pas. Ça t'énerve, hein? Ça t'énerve. Il n'aime pas quand on joue avec le sel. T'es qui? Toujours le disciple. C'est quoi ton nom? Cherchez bien. Bélial? Ça part bien le nom. Est-ce qu'il est marqué sur le mur? Non. Dans la Bible? Lucifer. Satan. Belzébuth. Bon, écoute. Alors dis-le. Il y en a tellement de disciples. T'as peur de le dire, petit? Gabriel, Saint-Michel. Petit. Petit. On peut pas avoir plus petit que Satan. Hein. Et tu joues avec nous, là, mon gars. Donc, Saint-Michel, c'est un petit par rapport à toi? Ouais. Mais toi aussi, t'es un tout petit. J'ai pas peur de ta Bible. Je sais. Et tu crois que moi, j'ai peur de toi? J'ai pas peur de toi. T'es leur marque, hein. Et ça, je sais que ça t'aime pas, hein. Ça t'énerve. Ça t'énerve. Ça t'énerve. Mais vas-y, tu me fais pas peur. Allez, vas-y, accouche, dis-moi qui tu es. Donne-nous ton nom. Tu nous as expliqué pour la fin du monde. Alors maintenant... Oui, bah, j'étais pas là. Qu'est-ce qui se passe à la fin du monde, là? Mais c'est un petit joueur ce soir, regarde-le. Il a envie de jouer. Regarde, réponds-moi, s'il te plaît. Il se passera quoi à la fin du monde? C'est dans combien de temps? Dans 100 ans? 300, 200, 450, 1000, 2000. 300. Okay. 312 ans? 300. Donc 300 ans. 300 ans. Ouais, bah, de toute façon, on est tous morts, alors qu'est-ce qu'on en a à foutre, hein? C'est bête, ça. En ce moment, on pourrait déjà prévenir tout le monde. Bon, l'avantage, c'est qu'on a 300 ans pour prévenir tout le monde, hein. Voilà. Merci pour l'information. L'affaire des démons, elle est proche. Hein? Youp là! Non, toujours pas tombé.
C'est con, hein. Et comment il peut savoir? Quoi? Demande-lui comment il sait. Comment tu peux savoir que c'est la fin du monde dans 300 ans? Parce que personne sait. Personne ne sait, même pas Dieu, même pas Satan. Personne ne le sait. Dieu n'existe plus depuis des années. Mais c'est cela. Mais c'est ça, mon gars. Il m'a encore parlé ce matin. Il m'a dit qu'il allait bien, puis il ferait beau demain. Tu te marres avec nous, on se marre avec toi, petit. Les petits joueurs, tu nous dis qui tu es. Ah, mais c'est drôle, tu es aussi, hop là. Bon, c'est bon, tu nous dis qui tu es. Ça te fait sourire, hein, petit peu. Allez, go, dépêche-toi. On va y passer l'année. C'est bon. Hop là, chouchou. Et là. Ça va? Tiens, juste le rattraper pour pas qu'il marche. Ben là, t'arrives à tourner la lampe là-haut. Celle-là. Tu tournes juste l'ampoule. Hein? Voilà. Il n'aimait pas qu'on l'interrogeait sur son nom. Hein. Non. Incroyable. Ça veut dire que c'est un couillard. Hein. Parce que c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est un nouveau disciple. Très grand. C'était le même. Hein? C'était le même disciple. Ouais, en plus, et en plus, il a filmé. Hein. Ah, moi, bah, c'est bien marré, nous. Hein. On a bien rigolé. Ouais, il aime pas. Il a fait quoi comme il m'a menacé. Tu sais ce qu'il a pas aimé? Que je le contre. Ouais, puis il voulait arrêter ta bible de ça. Ouais, mais à croire que je suis trop puissant pour eux. Ouais. Eh, mais chouchou, t'as un don. Il savait plus quoi dire, hein, quand on avait dit que d'autres façons. Je pense, ça me dit jamais. Le premier, c'est le symbole de Lilith. Oui. T'as vraiment un don pour canaliser et gérer les démons, je trouve. Mais regarde. Bon, il a fait celui-ci. Et puis, il est malade aussi. Oui, oui, parce qu'il voulait pas qu'on nous les montre. Oh putain, c'est aussi le symbole des Lilith. T'as de l'autorité, chouchou, sur les démons. Ça. Non, comme ça. Non, comme ça. Il a pris comme ça. On a découvert, on a trouvé des lettres. L'autorité. Le loup. Oui, il était là. Il n'est pas là. Non. L'être souffre. Parce que t'as pas peur et puis tu... Tu sais ce qu'il a pas aimé, c'est comme tu les canalises. C'est que j'ai de l'autorité sur les démons. Bah ouais. Les abîmer, en fait. Et ça, s'ils vont pas aimer. Play. Mais ton père a été très ému et touché que sa chatte lui ait sauvé la vie, quoi, quand il lui a raconté. Ah bah oui, si Bakira n'avait pas voulu là, on n'aurait rien vu, hein. Il y a quelque chose de mauvais derrière moi. Je vois une ombre noire derrière moi. Elle est où, ta Bible? Ça l'a fait tomber. Non, on va la laisser là, t'inquiète pas. Non, mais. Voilà. Il y a une ombre noire derrière moi. Comme il se moque de la Bible aussi avant. Hein. Il y a jamais de froid. Il y a quelque chose de froid. Ah, mais moi, c'est les jambes. Hein. Ça fait juste derrière mon bras. Pour la vidéo, gauche. Pour la vidéo, s'il y a des sceptiques. J'ai levé mes lunettes et je suis complètement myope. Il y a combien de doigts? Je vois pas, je sais flou. Ok. Et je suis repossédé. Non, c'est la même chose. Mais... Réceptionné. Repossédé, c'est sur une longue durée. Non, la possession, c'est plus violent. Ouais, ça, c'est de la réception. C'est un réceptacle, en fait. Mon père et Dominique sont des réceptacles. C'est normal que ça fasse un... Ah oui, c'est l'ombre qui fait ça. Il y a des démons qui habitent chez des personnes. Ah ouais, ça fait bizarre. Même à vie, hein, des fois. Ah, Dominique. Ouais, ça y est, reparti. Oh, on est reparti pour un tour de kiki. Ah, ouais, ça recommence. T'es qui, cette fois? T'es qui? Un démon? Un ange? Donc il a les yeux fermés. Un ange. Oui. Et aucune faute d'orthographe. Il faut savoir que Dominique est un analphabète. Hein. Et que toutes ses lettres ont des fautes d'orthographe. Et là, il n'y en a aucune. Comment t'appelles-tu?
Il y a un démon derrière moi. C'est juste? Il y a un démon derrière moi? Oui. Je le sens. Il l'en veut à qui? Et il a, regarde, il a les yeux fermés. Hein. Il voit pas et il pense à remettre le sel. Ouais. C'est incroyable. Et il a les yeux fermés. Puis il s'est redemandé quand il voit qu'il y a plus rien au bout. Il s'est nous en redemandé pourquoi. C'est bien ce que je pensais. Quelle sorte de démon? Qui es-tu, toi? Il avait dit un ange. Oui, mais j'aimerais savoir son prénom. J'aimerais savoir son nom à cet ange. Parce que les anges, ils n'ont pas peur de dire qui ils sont. Mettre un petit peu. Encore un peu de sel? Bah, faut vraiment repayer à fond. Ouais, bah, c'est bon, doucement, qu'ajoute-toi. Prends-moi la Bible, Béa, s'il te plaît. Je suis pas Béa, mais je le prends. Voilà. Ça te va comme ça? Si me salait des trucs, alors, il devra bien ici les cacher. Comment t'appelles-tu? Luc. Un des disciples de Jésus. Là, il faut savoir aussi que Dominique n'a jamais lu la Bible, donc il ne connaît aucun des disciples. Hein. Parce qu'il n'est pas croyant. Hein. Donc il ne connaît aucun disciple ni. Jésus a vraiment été crucifié. Non. Alors ça peut pas être. Selon la Bible a été trouvé par l'université de Turquie qui date de 1500 à 2000 ans, Jésus n'aurait pas été crucifié. Non, c'est pourquoi? Parce que dans la plupart des si on voit sur les on voit les des fois sur certaines croix, Jésus il est crucifié dans les mains et c'est prouvé que s'il était crucifié par les mains, son poids n'aurait pas supporté le Il serait tombé. Ça, comment est mort Jésus? Son père? Non. Moi, je sais pas. Ça. Moi non plus. Et si c'est vraiment Luc, il le sait. Par. Cherche. Pour info, il a toujours les yeux fermés. Romain? Satan. Sur. Qu'est-ce qu'il a écrit? Fin. Son. Par son frère. C'est juste? Par son frère? Comment il s'appelait son frère? Je sais pas ça. Mais écoute, j'en savais du tout, je ne sais pas trop lui garder non plus. Voilà. Samuel. Non, non, laisse-moi écrire. Satan serait le frère de Jésus? Ça, j'ai de la peine à y croire. J'ai de la peine à y croire aussi. Non, parce que c'est juste. C'est juste. Satan, c'est l'un des fils de Dieu. Non, c'était son bras. C'est un ange déchu et c'était le bras droit de Dieu. Et Jésus est venu bien après. Jésus est venu bien parce après. Que Lucifer, c'est celui qui amène la lumière. Parce que Satan, on le voit quand il était avec Adam et Ève. Non, c'était le frère de Dieu.
Mais Dieu, c'est Dieu et Jésus, elle est de même. On a tellement de versions différentes. Donc, Luc, c'est un ange en fait. Ouais. On s'y perd. Ah ouais, en fait. Dieu existe-t-il? Il croit pas en Dieu, hein, si jamais Dominique. Est-ce qu'il existe toujours? Il vient de marquer oui. Non, parce que l'autre. Il vient de marquer là oui. Es-tu venu nous délivrer un message? À qui? À tous. Okay. Quel est le message? Est-ce que tu as un crayon et un papier? Oui, il y a le seul. Ok. Attends, je remets. On va remettre un peu au milieu de la table. Moi, ça m'a pris beaucoup là. Il y en a plus. Là, on est resté sur le sol. Désolé, après, il n'y a plus de table à chaud. Voilà. Nous te lisons. Attention. Attention. D'habitude, il m'est capté. Hein. C'est incroyable comme il écrit. Attention. Démon. C'est une autre écriture qu'avant. Ouais, il y a quelque chose qui se passe. Tu t'es fait combattre? Il est en train de changer. Mente. On s'est fait enculer. Donc tu n'es pas Luc. Ok. Mais il y a un démon qui essaie de te combattre. Je le sens. C'est pas bon, ouais. Ça y est, ça tombe. Qui essaie de te combattre? Qui? Vas-y, Luc, combat. Luc, vas-y. Luc, dépêche-toi de marquer. Qui est là? Qui? Vas-y, écris. Le disciple. Attends. J'arrête de me faire rire, ça me fait grossir. C'est nerveux, putain. L'élite. L'élite? Encore? Mais nous en veut ce sort. Ça va, Loulou? On sort un combat, là. Le combat à mort. Entre démons et anges. Loulou? Non, c'est pas Dominique, non, là. Non, là, il est possédé par un autre. Je sais pas si on devrait s'éloigner. Pas... Oh, il y a une odeur, c'est bizarre. C'est Dominique, c'est là. Bon. Ça va? Loulou? Pété en même temps, bah ça sent mauvais. Ouais, ça sent pas quand tu t'es chié dessus ou bien. Ah putain, il a son truc dans les. Il bouge pas. Non, je voulais prendre mon pote. Tu peux rallumer. J'avais pas vu qu'il m'a dit. Et qui m'a déjaqué, s'il vous plaît. Hein. Attends, ça devrait te filmer, hein. Il faudra couper ça. Je me suis dit, mais pourquoi il voit rien? Je me suis pas posé la question, mais je me suis dit, j'ai ses lunettes, après je l'ai complètement. Mais quand il a commencé son combat, il y a eu un bruit. Là, je vois rien. J'ai entendu un truc, non? Mais tu peux mettre un truc sur les yeux. Quand il a commencé à se combattre, il y a eu un bruit là. Moi j'ai entendu un grognement derrière toi, comme d'habitude. Ah ouais. Un grondement derrière moi, et ici il y a eu un bruit. Je me dis pourquoi il voit rien, je lui